Salut tout le monde, c'est Jérôme FPS. Donc là on est sur la vidéo 4 de Hogwarts Legacy. Et donc on va devoir faire un petit devoir et on va devoir apprendre la magie du feu. Donc là on va devoir gagner 2 manches de joues magiques. Donc il y en a 2 à gagner et terminer un entraînement avec Lucas. Lucas, ouais. Alors, c'est bon, ouais, vas-y, j'appuie sur parler. Bonjour Lucan, je voulais te parler de joutes magiques. Okay. Ah, regardez qui voilà. Alors, tu veux entrer sur le terrain ? D'accord. Fais-moi entrer sur le terrain. Épatant. Que le feu d'artifice commence. Tu vas regretter d'avoir relevé le défi. Alors. Alors, bouclier jaune de contrôle, gamin, Leviento, vers 3, ok. Bien. Alors. Bon. Donc là j'ai gagné la première manche. Bravo. Okay. Sébastien ne s'est pas trompé à ton sujet. La concurrence est rude, mais si tu continues comme ça, tu pourrais devenir le prochain champion de l'école. Parfait. Compte sur moi. D'accord. D'ailleurs, le deuxième duel peut commencer quand tu veux. Et en tant que membre à part entière, tu as désormais accès au mannequin d'entraînement officiel de joutes magiques. C'est un bon moyen d'apprendre des combinaisons de sorts. Viens me voir et je l'installerai. Encore félicitations, okay, pour cette première victoire dans Joutes Magiques. Beau travail. J'espère te revoir ici bientôt. On va lui parler. Hein. On est reparti. Bonjour Lucan. Est-ce que tout est prêt pour la prochaine manche de Joutes Magiques ? Tout à fait. Je t'ai préparé un super match. Tu veux refaire un combat ? Oui, allons-y. Parfait. Tu vas te battre avec un partenaire ? Ouais. Oui, avec Nati. Dans ce cas, allons-y. Que dirais-tu d'une petite rossée ? Désolé d'avance. Ah, 3 vs 2. Ok, d'accord. Ok. En fait, ça dépend la couleur. Comme là, c'était jaune, c'est des vieux sauts. Et l'autre, c'est l'autre. Protégo.
Hop. Action. Ah bon, bon. Ah presque. Et bon, victoire. Donc là, j'ai reçu les deux. J'ai donné tout ce que j'avais. Oui, j'ai vu ça. Les autres duellistes t'avaient déjà remarqué, mais après ton dernier combat, ils tiendront à t'affronter. Mmh. Tu devrais t'entraîner si tu veux avoir une chance de gagner, ou au moins de survivre pour ton prochain combat. Je te préviendrai quand on sera prêt. J'espère te revoir. Ok, donc là, c'est bon. Celui qui remporte la prochaine manche gagne. Termine un entraînement aux enchaînements de sorts avec Lucan. Bonjour Lucan, je peux utiliser le mannequin d'entraînement ? Bien sûr, je vais le chercher et je te donnerai une liste d'enchaînements à travailler. Ça y est, tu veux essayer ? Vas-y. Ce serait super. Lance bien tous tes sorts avant que le mannequin atterrisse. Si tu dois arrêter l'entraînement avant de les avoir tous finis, dis-le-moi. Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Action. Peut-être une prochaine fois. C'était intéressant. Non. Qu'est-ce que je dois faire ? Action. Ok. Merci beaucoup. Très bon travail. Action. Il faut vraiment faire attention à R1, R1. Je pense que l'entraînement est terminé. Tu avais l'air en forme. Merci, Lucan. Il vaut mieux découvrir ses faiblesses pendant un entraînement que pendant un duel. Tu seras redoutable maintenant. Ok, c'est bon. Quête terminée. Tous mes devoirs sont finis. Alors là, on va regarder où on doit aller là. Hop. Ok, ici, on va prendre celui-là. Voyage rapide. Allez, c'est parti. Ah, un squelette de riz. Si seulement il y avait une nouvelle tête. Ah, c'est bon, on reviendra plus. J'imagine que Monsieur Brattleby... J'ai terminé toutes les tâches que vous m'avez données, Professeur Hecat. Ravi de l'entendre. Vous devriez être en mesure d'apprendre Incendio. Je devrais, Professeur ? Oui. J'ai malheureusement rendu visite à suffisamment de collègues imprudents à Sainte-Mangouste pour savoir que le feu est un allié quelque peu capricieux. Vos compétences en matière de sorts m'impressionnent. Mais continuez de vous concentrer, je vous prie. Je préférerais que vous ne terminiez pas la leçon avec un uniforme brûlé. Commençons. Et n'oubliez pas, concentrez-vous sur votre mouvement de baguette. Alors, on y va là. Concentrez-vous et tenez votre baguette fermement. Maintenir R2, ouais. Et je dois le mettre par exemple à la place de celui-là. Bon. Alors, pour utiliser un sortilège de 1, vous deviez d'abord l'ajouter à l'ensemble. Déplacez le curseur dessus Incendio. Et. Ah ouais, je fais tout. Ok, d'accord. Et là, je fais un truc. Ok. Là, je l'ai mis à la place de Lumos.
Et bon, on est bon. Maintenant, mon prochain point, il est quelque chose. Et hop, pareil. Alors, j'ai l'impression que là, il y a un peu plus. Oh, peut-être celui-là. Bah, je suis au même endroit. Ok. Je suis exactement au même endroit. Suivre la quête. Merci. Est-ce qu'une bonne âme voudra bien m'aider? Non. Est-ce que tout va bien? Tu ne sais pas qui je suis? Zenobia Nook, la fille que tout le monde déteste sans aucune raison valable. Tout le monde te déteste? Pourquoi ça? Parce qu'à Poudlard, il n'y a que des brutes et des rabat-joies. Léandre Prouette est l'un des pires. Un véritable imbécile complètement dépourvu de talent. Je voulais me faire des amis, alors j'ai apporté ma collection dans la salle commune. Ma collection de baf-boules, je veux dire. Je pensais que quelqu'un voudrait jouer avec moi. Dis, tu connais les baf-boules? De petites boules qui ressemblent à des billes. C'est un super jeu. Et quand on perd, on se fait asperger par un liquide très malodorant. Un jeu où on se fait asperger d'odeurs pestilentielles, ça m'intéresse pas. Seulement si tu perds, ce qui ne m'arrive jamais. Enfin, pas très souvent. Les gens peuvent être si cruels. Juste parce qu'ils se font asperger par de la bave de bave-boule. C'est leur faute, ils n'avaient qu'à éviter de perdre. Imelda est très mauvaise perdante. Everett et Astoria ne sont pas mieux. Et maintenant, ces mauvais perdants m'ont volé mes bave-boules. Et ils les ont cachées en hauteur dans toute l'école. C'était un peu exagéré de leur part comme réaction. C'est certain. Bref, je n'arrive pas à les récupérer toutes seules. Je ne connais pas encore les sortilèges nécessaires. J'ai besoin que quelqu'un de particulièrement généreux et talentueux m'aide. Tu n'as aucun ami à l'école? Pas vraiment. Nati m'a dit bonjour une fois. Mais c'est tout. Tu aurais des idées sur la façon de récupérer tes bave-boules depuis leur cachette? Si je le savais, je m'en occuperais moi-même. La personne qui a caché mes bave-boules en hauteur a bien dû y monter. Ok. Je vais voir ce que je peux faire. Merci. Ce serait vraiment gentil de ta part. Si tu réussis à trouver toutes mes bave-boules, reviens me voir. En attendant, je vais devoir trouver un moyen de m'occuper toute seule. Ok. Je ferais mieux d'ouvrir l'œil pour trouver les bave-boules de Zenobia cachées en hauteur dans l'école. Ah. Action ! C'est l'une des bave-boules de Zenobia. Je ne vois pas pourquoi elle en fait toute une histoire. Avoir une quelque part par ici. Revelio. Une quelque part par ici, mais où? Déjà, j'ai une page. Action. Déjà bien. Ah bah non, c'était la page, non? Non, non, si. Regardez ici en bas. On pourrait avoir quelque chose là. Non. Ils disent qu'elle est en hauteur, mais... Elle est peut-être un peu plus haut, hein. L'œil pour trouver les bave-boules de Zenobia cachées en hauteur dans l'école. Action. Ok. Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravi d'y avoir été arrivé.
Je suis à 4. 3. 3. Il fallait que je monte un escalier ici. Il faut monter partout. Je ferais mieux d'ouvrir l'œil pour trouver les baffes-boules de Zenobia cachées en hauteur dans les coins. On est là. Il doit en avoir une ici quelque part. Enfin, déjà toi tu viens ici. Ici. Et il doit en avoir une ici quelque part. Elle est en haut ou en bas? Ah oui, elle est en haut. Qu'est-ce que tu veux, hein? C'est quoi ça? Level? Parfait. Ah, c'est une potion ça? Ouais. Ah, c'est 19 dragons maintenant. Ouais, c'est une potion ça. Je vais encore plus haute ou quoi? Alors là j'ai rien. Là les cadres ils bougent pas. À mon avis je vais devoir allumer les. Action. Avec le feu. Ah peut-être là. Attends. Incendio. Non. C'est vachement bizarre parce que je suis vraiment tout en haut. Ah ouais, c'est moi qui s'est précipité et j'ai pas regardé où elle était. Je ferais mieux d'ouvrir l'œil pour trouver les baffes-boules de Zenobia cachées en hauteur dans l'école. Action. Quel plaisir de vous revoir. Histoire d'en avoir une ici quelque part. Voilà. C'est la dernière baffe-boule de Zenobia. Je devrais aller la voir. Non, je te révélio. Révélio. Ah, les trophées de Kudich. Ok. Non, j'ai l'impression quelque chose là, non? Ah non. Bah c'est bon, on y va. Allez. Est-ce que c'est possible peut-être d'aller plus voilà. Je vais aller à là. Et juste à côté. Pour lui rendre. Bon, c'est pas la quête principale. Route pour de nouvelles aventures. Juste ici non. Elle est là. J'espère que tu arriveras mieux que moi à retrouver mes... Bonjour Zenobia, j'ai retrouvé toutes tes baffes-boules. Vraiment? Je ne pensais pas que c'était possible. Comment tu as fait? Du bon sens et quelque sort très simple. Eh bien, je peux récupérer mes baffes-boules? Bien sûr, elles sont à toi après tout. Oh, c'est génial! Je te dédierai toutes mes prochaines victoires. D'ailleurs... Maintenant que j'ai récupéré mes baffes-boules, je me demande si quelqu'un est partant pour une partie dans la salle commune. Je suis sûr que tout le monde aura envie de jouer, après tout ce qu'il a fallu faire pour les récupérer. N'est-ce pas? Oh, on va bien s'amuser et se moquer de tous les perdants qui se feront asperger, et dont je ne ferai pas partie. Très bien, j'y vais. Souhaite-moi bonne chance. Ouais, c'est beau.
Bon, on a réussi la mission aussi. Alors maintenant, je vais retourner là. Ah, c'est niveau 7 là. Moi, je dois monter. C'est bizarre, il y a des coffres, mais je sais pas où. Oh, quand je fais révéler, il y en a pas. Ah si, il est là, à l'intérieur de la pièce. Il est là, ok. J'ai l'impression qu'il y a un truc là-bas. Oups. Ok. Non, c'est juste au-dessus, c'est dans l'autre pièce. Avant que j'invente la poudre de chez moi. À mon avis, il y a quelque chose pour l'ouvrir. Là, ça marche pas. Allez, rentre. Ah, il faut attendre, il y a un chargement. Parti. On revient ici. Hop, voilà. Et donc là, comme j'ai réussi, normalement, on peut continuer la quête directement. Ah, vous voilà. Allez, pardon. Bonjour, monsieur. Sachez que j'ai travaillé ma magie défensive avec le professeur Ekat. Elle m'a dit que vous vous habituiez bien à votre nouvelle baguette. Vous devez absolument poursuivre vos efforts avec chacun de vos professeurs pour progresser. Cela dit, nous ne pouvons reporter davantage notre visite à la bibliothèque. Bon, on va y aller. Bon, si nous continuions... Direction à la bibliothèque. Fig, j'ai besoin de vous. Venez. Monsieur le directeur, je suis occupé et mon emploi votre emploi du temps, je m'en moque éperdument, comme de votre élève. J'aurais cru qu'après tous les problèmes survenus avec Osric, vous auriez envie de vous rattraper. Dans mon bureau, et dépêchez-vous. Bon bah on va y aller solo, hein. Cet homme m'exaspère. Malheureusement, notre escapade dans la réserve va devoir attendre encore un peu. Mais, professeur... Nous n'avons pas le choix. Il ne serait pas très avisé de provoquer une fois de plus notre illustre directeur. Je vous rejoindrai quand j'aurai achevé les corvées qui me reviennent. Sébastien m'a dit qu'il s'était introduit dans la réserve de la bibliothèque. Il aura peut-être une idée. Descendre, prendre par là. Je commence à comprendre un petit peu comment elle marche. Sébastien, te voilà. J'espérais te voir. J'étais aux trois balais après l'attaque du troll et j'ai vu ce qui s'est passé avec Rockwood et Harlow. Peu d'élèves se font remarquer par Victor Rockwood. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la première fois que je le vois. Il me prend sûrement pour quelqu'un d'autre. Si tu le dis. Je n'insiste pas pour l'instant, mais tu vas bien devoir me raconter ce qui se passe. Tu risques d'avoir besoin de moi. Alors, pourquoi tu me cherchais? Je dois trouver quelque chose pour le professeur Fig dans la réserve de la bibliothèque. Il ne peut pas y aller lui-même? Il a été appelé par Black au dernier moment. Je pourrais attendre de recevoir un mot de sa part, mais... Tu veux lui montrer que tu sais prendre des initiatives? Exactement. Tu as dit être assez futé pour ne pas te faire prendre dans la réserve. C'est mon cas. Rejoins-moi devant la bibliothèque ce soir. Et n'en parle à personne. Je ne risque pas de me faire attraper par la bibliothécaire. Madame Scribe n'aime pas tellement que des activités clandestines aient lieu au milieu de ses précieux livres. Alors, évite-la à tout prix. Elle et moi, on n'est pas en très bons termes. Mais je sais m'y prendre avec elle. Ce n'est pas ton cas. Qu'est-ce qui arriverait si on était surpris dans la réserve? On ira en retenue. Mais il y a des moyens de limiter les risques. Déjà, évite Peeves, l'esprit frappeur. La seule chose qu'il aime plus que tout détruire, c'est dénoncer les élèves comme nous. Oui. Merci, Sébastien. À tout à l'heure.
On va attendre que c'est la nuit. Voilà, on y est. Tu vois ça? C'est la porte qu'on doit atteindre. Et ces casse-pieds de préfet n'ont qu'une envie, c'est de nous dénoncer à Scribe. Alors fais en sorte qu'il ne te voit pas. C'est bien compris? Je peux me faire discret. Allons-y. Un petit instant. Le sortilège de désillusion te sera bien utile. Il est idéal pour accéder à des endroits qui nous sont interdits. Lance-le et tu seras à peine plus visible qu'un léger effet de lumière. Tant que tu gardes tes distances et que tu ne fais pas de bruit. Tu veux dire que je pourrais vraiment devenir invisible? Ça s'en rapproche. Ce n'est pas aussi efficace qu'une cape, mais ces dernières sont chères. Tandis que les sorts sont gratuits, faisons un essai. Trois, carré. Ah. On va mettre ce sort. Les filles, la collection. Super, les équipements. Ah merde, c'était ça que je voulais faire. Okay, donc là on va faire ça, voilà, le sort qui m'a pris était quoi déjà? Celui-là, voilà. Donc on va le mettre à place de Réparo en attendant. On va le mettre à place de Réparo. Là on est parti. Voilà. Ça veut dire combien de temps? Oh non, la bibliothécaire est encore là. Vite, derrière l'étagère. Tu m'avais dit que la bibliothécaire serait partie. En général. Mais ça va aller. Tu vois son bureau, derrière moi? La clé se trouve dans le tiroir de ce bureau. Alors, voilà ce que nous allons faire. Je vais créer une diversion pour l'éloigner. Profites-en pour subtiliser la clé, puis rejoins-moi près de la réserve de la bibliothèque. Hé, hey, pourquoi il nous faut une clé? Y a pas un sort pour ça? Allô, Mora? C'est comme ça que j'entrais avant. Mais la bibliothécaire a compris que je connaissais le sort et a placé une protection magique sur le verrou. Il ne reste donc plus que cette clé. Mais ne t'en fais pas. Je t'ai dit que je t'y ferais entrer et je tiens toujours parole, crois-moi. La clé, elle est là. Ah, celui-ci est enchanté pour avoir l'air utile. Je me suis fait avoir deux fois. L'habit ne fait pas le moine, comme on dit. Descendre. Ah ouais, il y a un... Un fantôme. Ne te fais pas remarquer.
Ah oui, là-bas. Diversion. La voie est libre maintenant. Nous n'avons plus besoin de nous cacher. Mais qu'est-ce que tu cherches, Anne ? Je cherche un remède pour guérir ma sœur jumelle, Anne, pour qu'elle puisse revenir à Poudlard. Rébellion, mandat. Mais je ne peux m'y résigner. Pourquoi penses-tu trouver un remède dans la réserve de la bibliothèque ? L'infirmière de Poudlard n'a rien qui puisse aider Anne ? Non, on a tout essayé. De Madame Blainey à Sainte-Mangouste. Mais je peux m'en occuper tout seul. Ne t'inquiète pas pour moi. Concentrons-nous sur ce que tu cherches. De quoi s'agit-il exactement ? Je le saurai quand je le verrai. Tu fais bien des mystères. Secrets les plus sombres des forces du mal. Impressionnant. Mette. Action. Qui est-ce qu'on a là? Sébastien Palot en bonne compagnie, attrapé en pleine exploration interdite. Vous n'avez pas à être ici. Vous serez puni. Yves, n'essaie pas. Je vais le dire. Oh, maudit Peeves. Je dois l'arrêter. Ou au moins aller voir la bibliothécaire avec une bonne excuse. Attends, je veux pas que tu aies des ennuis à cause de moi. J'arrive toujours à m'en sortir quand il s'agit de mesures disciplinaires. Et puis, j'aime quand mes amis ont une dette envers moi. Allez, vas-y. Je te souhaite bonne chance. Où est donc passé ce satané esprit frappeur ? Je connais le sort idéal pour réparer cette armure. Ouais, juste que je l'ai enlevé. Lumos. Ah non, j'ai mis Lumos. Ah, quel con. Réparo, il est où ? Il est là. Réparo. Voilà. Je dois. Ah, c'est bon, je descends. Bien sûr, des traces de magie ancienne. Cette pièce cache quelque chose. Voilà. Cap. Où peut-elle bien mener ? Là, elle entre. C'est parti. Action. Protégo.
Un enchaînement 10 coups. Okay, d'accord. Ok, donc dès que je fais un bon enchaînement, je peux avoir un R1. R1, L1. Ok, d'accord. Ça... C'était là. Ouf là. J'ai eu le temps de sauter. Je dois sûrement emprunter cette porte. Mais où mène-t-elle ? Faire dans les deux sens. J'ai cru qu'il était verrouillé. Okay, encore une tenue. Oh là là. Oh là là, ça sent pas bon. Action. À faire tranquille. Voilà, ah, c'est un livre. Ce n'est qu'un livre. Ah, une porcine, ok.
Merci. Vous vouliez me voir, directrice Fitzgerald, professeur Rackham? Miss Isidora Morganac, bienvenue. Professeur Rockwood, professeur Bakar. J'ai cru comprendre que vous vous intégrez plutôt bien à Poudlard. Tout à fait. J'en suis ravie. Entrer directement en cinquième année n'est pas une situation habituelle. Eh bien, en fait, j'ai moi aussi été admis à Poudlard en cinquième année. Mais je crois bien que nous sommes les seuls. Miss Morganac, hier, lors de notre discussion après les cours, vous avez mentionné les magnifiques tourbillons que vous avez vus il y a des années dans votre hameau. Je vous ai tous reconnus dès mon arrivée. Merci infiniment pour tout ce que vous avez fait. C'était un plaisir. Et oui, j'ai vu les tourbillons de magie, partout ce jour-là. Mon père persiste à dire que c'était mon imagination qui me jouait des tours, mais ça m'a paru très réel. Ce n'était pas votre imagination. Percival, professeur Rackham peut les voir aussi, mais personne d'autre à ma connaissance ne le peut. Je ne comprends pas, qu'est-ce que c'est? Les murmures ou les traces qui apparaissent lorsqu'une forme précise de magie ancienne est utilisée. De la magie ancienne? Peu de personnes sont capables de la manier. L'école de Poudlard est constituée de cette magie ancienne. Alors si je vois des traces de magie ancienne, cela veut-il dire que je peux aussi la manier? Avec un peu d'entraînement. Mais ne nous avançons pas trop vite, Miss Morganac. Avant d'apprendre à manier ce type de magie, vous allez devoir maîtriser tous les enseignements de Poudlard. Entre de mauvaises mains, une magie aussi puissante peut être dangereuse. Elle ne doit être maniée que par quelques privilégiés. Et c'est pour cette raison que nous devons vous demander de garder notre conversation secrète. Ok. Ça sent la vengeance ou quelque chose dans ce style-là. Un peu bizarre. Sébastien. Vous êtes encore à rôder dans la réserve, ce que je vois. Je croyais que c'en était fini de ces bêtises. De toute évidence, les retenues ne servent à rien. J'ai bien peur de devoir rapporter cela au directeur. Mais... cela étant dit, Peeves m'a soufflé que vous n'étiez pas venu seul ce soir. Si l'on vous a forcé la main, vous devez me le dire. Vous êtes intelligent. Ne gâchez pas cette chance. Il n'y a personne d'autre. Je suis venu seul. Oh, Sébastien. Que va en penser votre oncle? Ok, donc là on a reçu le secret. On est passé au niveau 7. Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravie d'y avoir été incluse. Ah, je dois faire comme quête. Quête. Trouver un livre, nanana, ok. Une cachette dans le château. Pourquoi? Ah ouais, ça c'était ce qu'il m'avait dit là. Aucune quête, ok. La pas de quête. Là. Là pour le moment, j'ai pas de quête. Ah si, quelque chose qui vient d'apparaître. Je peux aller par là. Rébellion. J'avais pas déjà vu ça. Attends un peu. Oh, je parle à quelqu'un, ok.
à 60 mètres, donc ça va aller. Vers le bas, je... Non, vers le haut. Vers le haut aussi. On voit la couleur des points qui change. C'est bon. On va aller à l'intérieur. Vous n'êtes pas sérieux? Des gobelins qui s'associeraient à Rockwood? C'est absurde. C'est plutôt inhabituel, je vous l'accorde. Inhabituel? C'est inconcevable. C'est... Ah, Fig, vous avez de la visite. Je vais voir ce que je peux trouver. Monsieur, j'ai pu fouiller la réserve de la bibliothèque pendant que vous étiez avec le professeur Black. C'était un livre que nous cherchions. Quoi? C'est... Une minute. Vous avez accédé à la réserve? Comment? Oh, à la réflexion, je préfère ne pas connaître les détails. Comme vous voudrez. En réalité, le livre se trouvait sous la réserve de la bibliothèque, comme indiqué sur la carte. Je veux tout savoir, mais avant, montrez-le-moi. Hein, donc on va le lire. Ah, il manque des pages. Oh. Oh non. Certaines pages semblent être manquantes. On dirait que quelqu'un a trouvé le livre avant nous. Bien. Je vais tout de même me pencher sur ce qu'il en reste. Peut-être pourrons-nous en tirer quelque chose d'utile, mais cela prendra du temps. Je me demande ce qu'il faisait là, sous Poudlard. Je crois savoir, monsieur. J'ai vu deux autres souvenirs là où j'ai trouvé le livre. Une autre pancine? Dans la barbe de Godric? Percival Rackham, l'homme que nous avons vu plus tôt, a enseigné ici. Dans mon premier souvenir, il était avec trois autres professeurs, et ils utilisaient la magie ancienne pour sauver un hameau de la sécheresse. Myriam avait raison. Et le deuxième souvenir? Dans mon deuxième souvenir, il parlait à une élève qui est entrée en cinquième année, comme moi. Elle aussi pouvait voir les traces de magie. Pourquoi ces souvenirs? Oh, ce livre nous l'expliquera peut-être. Je vais devoir l'emmener avec moi à Londres. Le directeur a insisté pour que je parle directement au ministère au sujet de la mort de Georges. Qu'allez-vous leur dire au sujet de la mort de Monsieur Osric? J'ignore ce que je peux en dire. Georges a essayé de convaincre le ministère au sujet de Ranrock. En vain. Mon instinct me dicte de poursuivre sur cette voie pour le moment et de garder les détails pour nous jusqu'à ce que nous en sachions plus. Okay. Je comprends. Pendant votre absence, je vais tenter d'en savoir plus sur les pages manquantes. Bien. Ne négligez pas vos études. Vous faites des progrès rapides avec votre baguette. Mais vous devez travailler sérieusement en cours de botanique et de potions. La magie ne se limite pas aux sortilèges. J'ai de quoi m'occuper en votre absence. Vous avez été formidable. J'ai hâte de voir tout ce que vous aurez accompli à mon retour. Oh, et ne négligez pas vos amis. La quantité de choses qu'ils peuvent vous apprendre vous surprendra. Ok, terminé la quête principale, c'est bon. On est passé niveau 8. On est bon. On va devoir aller là-bas. Cours de botanique. Comme c'est con, je suis bon. Comme ça, hop, et on va essayer d'être le plus proche possible. Je pense que ça va être celui-là. Celui-là, c'est le plus proche. Et après, on va faire le reste à pied. Alors, est-ce que je dois resélectionner? Oui. On va faire ça. Hop, et on va mettre suivre la quête. C'est parti. Les murs du château ont des oreilles et j'aimerais te parler de Rockwood et d'Arlo.
Le professeur Fig et le professeur Weasley m'ont demandé de vous enseigner un nouveau sort de défense. Veuillez terminer les devoirs que je vous ai donnés, puis venez me voir dans ma salle de classe. Ok, donc là on a pas mal de devoirs. On va envoyer un niveau express vous demandant de la retrouver à la carte. Carte du monde. Et... Alors la petite communauté, c'est pas normal, ok. On va devoir aller vers là-bas. Ah, hop, débloqué. Qu'elle fait encore pousser des oignons piquants. Allez, on va essayer de faire ça pour voir. Et après, on fera la vidéo numéro 5. Bonjour, professeur Bulbille. Comme c'est merveilleux de vous revoir, ma chère Lenora. Oh, tenez, vous en aurez besoin pour le cours d'aujourd'hui. Un petit cadeau pour votre tante. Oh, bonjour. Les enfants, veuillez accueillir cette nouvelle rose dans votre jardin. Nous avons tout un savoir à cultiver. Comme c'est réjouissant de voir tout le monde réuni à nouveau. Cette année sera pleine d'enchantement et d'excitation. Mais ce que nous cultivons avant tout en botanique, c'est la connaissance. Tout botaniste prudent n'a pas plus peur de la tentacula vénéneuse que du bulbe sauteur. Allons-y. Aujourd'hui, nous allons nous familiariser avec le mélodieux tubercule appelé racine de mandragore. Action! Voyons si nous pouvons mettre nos amis fibreux un peu plus à leur aise, voulez-vous? Commençons par protéger nos oreilles. Maintenant, chacun saisit sa mandragore par les brilles et la tire fermement. C'était chaud. Placez vos mandragores dans leur bouche en dos et s'approchez le terreau. Ok. Ça pourrait être utile en combat. Le terreau doit envelopper la racine comme une couverture confortable afin que la mandragore s'y sente bien. Réparo ! Je suis terriblement désolée. La vôtre était déjà un peu grande, je le crains. Bon, allez, file, veux-tu ? Très beau travail, tout le monde. La tâche suivante consistera à planter du dictame. Je me demande si les hippogriffes aiment le polygonome. Oui, professeur. Tout d'abord, bravo pour votre mandragore. Elles peuvent être difficiles à appréhender. Je sais, j'ai failli perdre Louis. Bien entendu, le cri d'une mandragore adulte peut être mortel. Alors n'oubliez pas de bien protéger vos oreilles. Comme je l'ai mentionné, nous allons maintenant planter du dictame. Allons vous trouver des graines. J'en ai déjà, professeur. J'en ai récupéré après Ola. Vous les avez trouvées au navet magique ? Merveilleux ! Les élèves préparés ne peuvent que s'épanouir. J'ai demandé à ce que vous ayez votre propre table de rempotage en classe. Ce n'était pas facile d'en trouver une aussi vite. Plantez-y les graines maintenant et vous pourrez les récolter plus tard. Même avec de la terre, du soleil et de la magie, il leur faut du temps pour pousser. Bon, comment équilibrer mon bouquet de chardons étoilés? Ok, donc là on va essayer vite fait. Hop, interagir, carré. Sélectionne. Ok, j'en ai pour à peu près 10 minutes. Grâce au cours du professeur Charles. Beau travail! Une fois récolté, votre dictame pourra être utilisé dans une potion Wiganweld. Je laisse le soin au professeur Sharp de vous en dire plus. Bon, et si on variait un peu?
je vais vous présenter une plante bien différente, le chou mordeur de Chine. Vous verrez que certaines plantes peuvent se révéler utiles en dehors d'un chaudron. Les choux sont un peu grincheux quand ils n'ont rien à mastiquer. Fort heureusement, je dispose d'un mannequin à cet effet. Allez donc leur donner de quoi se faire les dents. Oui, professeur. Ils se trouvent dans l'autre serre, au bout de la passerelle qui part de cette pièce. Votre camarade, Monsieur Prouette, a gentiment proposé de vous accompagner. Venez me trouver quand vous aurez fini. Oh, et attention à vos doigts, ils ont les dents pointues. Ok, bon, bah là on va arrêter la vidéo là, on va continuer sur la vidéo numéro 5, parce que là on a 50 minutes, donc je voudrais pas qu'on soit trop long. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo là, n'hésitez pas à vous abonner, laissez commentaire, partagez le bleu, ciao ciao, c'était Jérôme FPS. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo là, donc n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous, et cliquez aussi sur la petite cloche pour avoir les prochaines notifications. Donc si vous aimez cette chaîne, vous aurez deux vidéos à votre disponibilité, soit la vidéo droite, soit la vidéo de gauche, mais si vous aimez vraiment la chaîne, il y en a énormément, et il y a beaucoup 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 de vidéos, donc n'hésitez pas à continuer à regarder cette chaîne, je vous remercie, bonne journée.